Bonjour tout le monde, c'est encore Pierre. Pardon. Allez, ouais, bon. Ah, mon identité secrète est désormais révélée. Bon, peu importe. RPGAD, jour 18. Hey! On a passé à moitié. Il en reste moins à faire qu'il y en avait. Fait que donc, on est rendu à. Quel art inspire vos parties? C'est vraiment de l'art qui inspire vos parties, mes parties. Bon, là j'ai une joke vraiment éculée que je vais pas sortir. Mais bon, donc, oui, de l'art. Il y a une œuvre d'art qui s'appelle Star Wars et qui inspire chacune de mes games de Star Wars. Il y a tellement de matériel sur Star Wars, fait que c'est sûr que je fais qu'utiliser Wikipédia, qui est le Wikipédia de Star Wars, et j'ai du stuff à gogo là, tu sais, je ne manque absolument rien de rien là, pour préparer mes games. Dead Planet, ok, je cherche. J'ai des descriptions. J'ajoute 2-3 idées qui me viennent à gauche, à droite. Ouais, comme par exemple, il y a une planète qui s'appelle Aquap. Il y a une planète que je me souviens plus le nom que j'ai pris là. Mais elle est totalement inspirée de la bande dessinée Aqua Blue. Qui est super bonne, sur le temps passant. Surtout les premiers livres. Mais c'est ça. Parce que je trouvais l'univers cool, puis j'avais besoin d'une planète de ce style-là. Fait que j'ai décidé de l'utiliser. J'ai changé 2-3 détails pour que ça fasse un peu plus Star Wars. Et voilà. Fait que. Sinon, des fois des images. C'est sûr que souvent, plus que souvent même, dès que j'ai besoin d'avoir une image sur Internet, je vais sur Google puis je tape quelque chose qui va dans le même sens puis je cherche jusqu'à temps que je trouve une image que je trouve assez cool pour ça, comme par exemple, quand mes joueurs se sont tapés des pirates, ben, je me suis dit, ben là, faut que je trouve un sigle à ces pirates-là pour qu'ils puissent être reconnus. Fait que comme ça, la prochaine fois, quand ils vont arriver, puis quand ils vont avoir un vaisseau qui va les attaquer, puis je vais leur dire, ok, en passant, vous voyez ce sigle-là sur la carlingue, ils vont tout de suite allumer, tu sais. Fait que c'est ça, c'est sûr que beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériel là-dessus, autant canon que Legend, parce que ouais, les anciennes histoires sont rendues, ils ont changé de statut, ne sont plus canon. Star Wars Rebels me donne beaucoup d'idées. À une certaine époque, j'avais beaucoup d'idées grâce à Star Wars Clone Wars, la série. Mais ça a changé. C'est sûr que là, en ce temps, la série est plus vieille. Mais bon. Sinon, la musique va m'inspirer sur le coup, mais ne m'inspire pas à faire des games. Quoique, une fois, j'ai une chanson qui m'était longtemps restée en tête, du Donjon de Nahalbeuk. Puis, dans la chanson, ça dit tout simplement que c'était une princesse
Une princesse avec 1000 paladins à ses pieds. Puis, cette idée-là me rongeait dans la tête. Me revenait tout le temps. Bon, faudrait que je fasse une game par rapport à ça. Et comme de fait, j'en ai fait une. Et la game se stipule à quelque chose de tout simple, c'est ça justement. Il y avait une grosse cérémonie de couronnement. Puis ça avait été annoncé qu'il allait avoir 1000 paladins. OK? Fait que 1000 paladins, c'est beaucoup. Fait que tu sais, donc, ils ont ramené toutes les pales qu'ils ont pu. Et évidemment, il en manquait. Fait que il y en avait qui étaient en formation. Fait que tu sais, OK, bon, c'est beau. Tu sais, ils ont peut-être adoubé un peu vite. Puis il y en a une couple que ils étaient en retraining. Tu sais, genre, c'était des aventuriers que ça avait mal été. Puis qu'ils ont comme eu le dieu les a comme appelé en guillemets. Puis ils ont dit OK, vous allez devenir paladin. Ah oui, OK. Ils ont rushé leur training. Fait que donc ils sont des paladins level 1. Ils ont un level de paladin, mais c'est un. Comment dire? C'est presque un demi-level. T'sais. Ils ont pas tous les pouvoirs. Il y en a qui ont juste certains. Puis bref, c'était un groupe de trois joueurs pour un one-shot. Puis c'était ça l'affaire. La grosse prémisse, c'était pour avoir 1000 paladins à ses pieds. Des nobles ont rushé certains paladins, puis ils leur ont donné ça. Fait que là, c'était la joke parce que c'était. Leur ancienne classe était clairement une classe qui naît, que ça fitait pas. Genre, un mage, un ranger, je me suis plus c'était quoi la classe de l'autre, là. Mais bref, c'est ça, tu sais. Ils pouvaient. Il était censé porter des armures full plate, mais ça allait pas marcher. Là. Genre, la mage, il aurait pas été capable de caster ses spells. Et tout ce genre d'histoire-là. Fait que ça a fait un one-shot, parce qu'évidemment qu'ils avaient maintenant, ben, il fallait qu'ils les envoient en mission. Puis, comme de fait, il fallait qu'ils utilisent. Puis genre, pour faire cette super cérémonie-là, ben, il a fallu qu'ils dégarnissent des endroits. T'sais. Fait que là, évidemment, il y a full d'air. Ils se font manger à laine sur le dos tout de suite après. Fait que faut qu'ils envoient tous ces beaux paladins-là au combat, aller régler des affaires. Puis comme eux autres, c'était les derniers de classe, ils les ont envoyés à faire une petite mission minable. Mission qui apparaissait minable, mais qu'au final, c'était une incursion d'un groupe. Tu sais, ça valait rien qu'à aller nettoyer le lit de gobelins de telle place. Sauf que, parce que genre, tel village dit qu'ils se sont fait attaquer par des gobelins. OK, soit. On va envoyer nous, là, tu sais. Puis finalement, ces gobelins-là, c'était des éclaireurs pour une armée d'orques. En fait, plutôt pas d'orques, de hobgoblins, des orcailles. Mais c'est ça, c'était des hobgoblins. Fait que donc, ils ont combattu les gobelins, puis les hobgoblins, puis c'est ça, ils ont pu envoyer ensuite un message comme quoi que. Comme quoi que ce front-là était en train de en tout cas, bref, l'ennemi s'en venait, fait que il allait recevoir des renforts, mais c'est parce que c'est surtout que, genre, ça avait pas... le problème, c'était qu'ils se servaient plus de leurs anciens pouvoirs que de leur nouveau pouvoir de paladin. Ça avait laissé un goût bizarre dans la bouche des joueurs, mais ils avaient bien aimé la prémisse et le story. C'était juste le gameplay qui était pas génial, étant donné que c'était du bi-classé, puis ces gens-là étaient pas très
un petit peu minimaxeur, mettons. Mais je les avais quand même assez bien optimisé, les personnages. C'était vraiment juste une question de... Il y en a voulu avoir soit un full mal ou un full mage ou n'importe quoi. Fait que... c'est pas mal ce que je pourrais dire. Alors donc, mes amis, critiques nombreux et fumble rare.